Yo, c'est bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux endroits où je passe beaucoup de temps. En vrai, là où je passe beaucoup de temps, c'est sur l'ordi. Mais quand je sors, généralement, quand je suis solo, je vais à ces deux endroits-là où je kiffe me poser pour faire des accros, pour réfléchir, pour juste me poser, prendre l'air. Et ces deux endroits-là sont dans un grand parc. Donc, avant, c'était juste ça, juste cette route-là. Bon, ma caméra a coupé, du coup, je sais pas du tout où est-ce que j'en étais, mais je crois que j'en étais à dire que mes deux endroits préférés qui sont dans celui-là ont été créés grâce à la tempête et plusieurs inondations. On va faire un petit plan de coupe, voir un peu l'endroit. Bon, après, voilà, j'ai qu'une GoPro, j'ai pas de drone, j'ai pas de caméra hyper belle qui rendra le lieu plus beau qu'il ne l'est. Ouais. Bon, comme je disais, il a plu quelques jours et donc en fait, tout le chemin que je vais faire et tous les trucs que je voulais faire, c'est devenu en full boue. Full boue. Il n'y a que de la boue partout maintenant. On va passer devant notre premier petit obstacle là, ici là. Un petit ravin, un bébé ravin. La question c'est comment je vais le passer. Est-ce que je vais descendre et le passer normalement? Est-ce que je vais le passer juste en sautant? Ou est-ce que je vais le passer en faisant un salto avant? Et bien sûr, bah, si vous connaissez un peu la chaîne, bah, ça va être un salto avant. Hein. C'est vrai qu'à l'arrivée et pouvoir rouler après. Ah, c'est pas grave de rouler sur plein de petits bois. Donc ouais, en fait, il me faudra plusieurs essais. Faut que je pense à la réception, bien atterrir. L'atterrissage, c'est pas encore ça. J'ai eu encore trop de déséquilibre. Ah, ça pue. Dommage, j'ai bien atterri. Mais je me suis déséquilibré. Ça va, il était pas mal. Alors tout ça non plus, ça y était pas avant. Hop. C'est une transition assez bizarre entre là-bas et là, non. Et là, en vrai, il y a un deuxième truc. Il y a ce deuxième, on va dire, bébé papa ravin qui est beaucoup plus grand. Après, je peux l'essayer juste en faisant un saut. On voit pas la distance parce qu'il est assez gros quand même. On va voir. Je vais mettre là-haut et je vous dirai. En vrai, en salto avant, il passe pas du tout. Je fais salto avant, j'atterris là-dedans, c'est sûr. Mais si je cours et je tape un gros saut, je pense que j'atterris vers le bord. Mais je pense que je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je vais pas juste faire un saut comme ça, mais il faut une scène sympa pour le faire. Ah, j'ai dû faire plusieurs fois le sprint, plus plusieurs fois le saut pour avoir plusieurs angles différents. Je suis mort. Donc je pense que je vais cut là, je vais revenir demain. Je suis à 30% sur ma GoPro. J'ai pas envie que ça se cut en plein mouvement alors que je suis à fond dedans et tout. Donc je préfère faire la pause là maintenant, revenir demain et vous montrer la suite demain. À demain. Yo, bon, ça fait une semaine maintenant. Donc là, c'est parti pour le premier lieu. Bon, vous voyez pas trop parce qu'il y a un beau soleil. En fait, on dirait une plage, une grande plage avec la rivière au bout. Là, ce qu'on va faire surtout, parce que quand je viens ici, c'est pas sur le sable que je me pose, mais sur le tronc d'arbre qui est là-bas. Il fait chaud. Donc voilà, je me pose ici et en fait, je ferme les yeux, je mets ma petite musique et je commence à imaginer plein de mouvements sur ce tronc d'arbre et tout et j'imagine que je fais des trucs stylés. Ah, j'ai rebondi sur le tronc. Ouais. Ah, mon dos. En fait, là, ça passait. Là, c'est, le creux, là, il fait bouffe. Hop. Oh, ça fait très mal. Ah ouais, ah ouais. Vas-y, fais voir comment tu fais. Putain, je fais mon coup de dos aussi. Hein. Oh, le blocage. Ah ouais. Je suis mort. Voilà.
j'adore. Ah, j'ai mal partout. Bon, on verra ce que ça donne. Là, c'est faux, c'est tout pourri. C'est parti pour le deuxième spot. L'entrée un peu vers là, quelque part. Je sais plus trop où. Mais je sens qu'on n'est pas trop loin. On est passé par tout ça là. Les gens le repèrent pas si facilement que ça en vrai. Parce qu'il faut aller chercher dans les petits trucs là, à l'intérieur des buissons. Mais ça sent que c'est par là parce qu'il y a du sable. Donc voilà, là on arrive vers l'endroit. Et c'est merde. C'est peut-être pas là-bas. Il y a tout qui se ressemble. Wouhou ! Tiens, guillemets-toi tout au bord, c'est solide. Ce que je voudrais faire, c'est genre mettre au bord, faire seulement le glisser, tomber et me rattraper vers là, tu vois, comme ça. Bon voilà le spot numéro 2, donc mon spot préféré je pense, parce que là tu peux bien taper des accros, t'as une belle vue et tu peux faire des prises stylées. En vrai, je suis déjà fatigué. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé de la tourner parce que je me suis pas mal amusé sur cette vidéo. J'ai fait plein de trucs que je kiffais et puis ça fait du bien de reprendre un peu les acrobaties. Si ça vous a plu, abonnez-vous, aimez la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et... Je vais faire juste un bac dire Dasudania et... Dasudania.